Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans un moment assez spécial. Aujourd'hui, plus de 5 mois que ce génocide est en cours. D'habitude, on se concentre plus sur la question des prisonniers politiques et de parler de la situation. On va essayer de faire tout en même temps. Je vais commencer par l'actualité, parce que je pense que c'est le plus urgent, c'est le plus important. Et comme j'ai dit, plus de 5 mois de ce génocide en cours, ce génocide, peut-être le premier génocide filmé par le propre main du peuple qui est en train de se faire massacrer. 6 mois, presque 6 mois de génocide qui, pour moi et pour les Palestiniens, qui vise tous les Palestiniens dans toute la Palestine, en Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, les Palestiniens de 48, les Palestiniens exilés, parce que pour nous, de nous vendre la mensonge aujourd'hui que c'est une guerre entre le Hamas et Israël, pour nous, ça, on l'a dépassé depuis longtemps. Et il y a plusieurs preuves qui démontrent que ce génocide en cours, qui était bien bien préparé il y a des années, et même il s'était clairement préparé à la période de le président Trump au pouvoir. Pour nous, en tant que Palestiniens, ce génocide en cours, il vient pour la continuité de la première Nakba de 1948, et il ne sort pas de ce contexte. Parce que, simplement, cet État sioniste, Israël, la théorie sioniste à la base, elle part d'une théorie très déclarée, très claire, très simple, que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Pour ça, depuis plus de 75 ans, 76 ans, aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour essayer de débarrasser des Palestiniens, pour essayer d'avoir de moins en moins et moins de moins des Palestiniens sur place. Dès le début de ce génocide, les déclarations étaient claires de la part de Netanyahou et les Américains et les forces occidentales, parce que moi, quand tu observes et tu vois les détails et tu regardes bien les détails politiques dans ce génocide en cours, tu ne peux pas le qualifier moins d'une guerre mondiale contre l'ensemble du peuple palestinien. C'est vraiment une guerre mondiale. Pour moi, la présence de 4200 Français et franco-israéliens sur place qui participent au massacre, le vent d'armes et l'envoi d'armes à Israël, le dernier rapport qui est sorti hier qui parle d'envoi de je ne sais pas combien, de centaines de milliers de balles de la part du gouvernement français à partir du 27 et 28 octobre, et encore on ne sait pas ce qui est caché, la présence des forces spéciales américaines à Gaza, les experts allemands et italiens qui sont sur place, ce pont d'armes américain qui n'arrête pas dès le premier jour. Et il n'y a pas que ça, on se souvient bien que les premiers jours, quand il y avait... Les plus grandes porte-avions américaines qui ont atterri dans la région, le sous-marin nucléaire français qui s'est rapproché du Proche-Orient, tout ça, ce n'est pas des manifestations pour montrer de la force. Non, ça c'est une participation directe au génocide. Pas plus, pas moins. C'est pas que... Bon, et on a vu la déclaration. Et les Israéliens, ils ont eu le feu vert. Qui l'ont jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qui est permanent, qui est voté, on peut en parler. Mais dès le début, par exemple, Macron, dès le début, il a dit on est là pour créer le front ou la coalition internationale comme celui qu'ils ont créé contre Daesh, comme si... bon, la comparaison... Et depuis, bon, ils ont changé depuis, c'est pas parce qu'ils sont devenus pro-palestiniens, non, ils ont changé parce que le rapport de force mondiale et le soutien populaire, il a tout basculé dans le monde. Alors ces génocides en cours,
Je ne veux pas rappeler des chiffres, 33 000 officiellement tués, des centaines, des dizaines de milliers des blessés, des rapports des Nations Unies qui disent qu'au moins 40% de tout ce qui est bâtiments et compagnies sont détruits dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, ils ont coupé la bande de Gaza en deux morceaux, on va dire, parce qu'ils ont coupé du milieu, ils ont fait milieu nord et milieu sud. La majorité de la population de la bande de Gaza se retrouve dans le sud, vers Rafah. Mais le truc stratégique qui est super dangereux, qui a été déclaré par les Américains et par les Israéliens, que les Israéliens et les Américains, ils ont fait le travail avec les Arabes, avec les régimes réactionnaires autour, c'est comment déplacer, déporter. La majorité de la population de la bande de Gaza vers le désert du Sinaï et vers quelques pays arabes. Comme ça, on aura le moins possible des Palestiniens à Gaza. Il y avait le même plan, et il y a un même plan qui est préparé aussi pour la population de la Cisjordanie. De toute façon, c'est chacun son tour si on ne résiste pas. Hein, il y a le plan pour le déplacement des Palestiniens de la Jordanie, encore une fois vers la Jordanie. Il y a encore un grand débat sur comment on peut sortir les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, qui sont aussi 20%. Et ça, c'est pas caché. On va pas, parce que 2018, quand les Israéliens ils ont déclaré avec leur loi, leur fameuse loi, la loi nation, que Israël, c'est l'État du peuple juif, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres nations. Ça veut dire que les autres ne sont pas bienvenus. Déjà, les autres ne sont pas bienvenus, ce n'est pas le mot, parce que les autres, c'est chez eux, c'est pas chez des autres. Mais on est clairement devant un plan de comment finir la cause palestinienne, et ça, ce n'est pas nouveau. Quand on revient 30 ans avant, quand il y avait la grosse faute des Palestiniens qu'ils ont fait, à mon avis, c'est la signature des accords d'Oslo, qu'on voit leurs conséquences 30 ans après, que c'était une catastrophe politique, c'était un piège politique qui était posé pour les Palestiniens qui sont tombés dedans. Quand on voit cette fragmentation, parce qu'on a commencé avec la grande fragmentation 48-67, après il y avait la réoccupation de nouveau du 67. Après, les Israéliens, ils avaient une stratégie, comment fragmenter les Palestiniens pour qu'il ne reste pas un peuple. Il n'y en a plus un peuple palestinien qui existe. Et ben, c'est tombé après exactement 1993-14. C'est là où il y avait les accords d'Oslo. Stratégiquement, les plans américains et israéliens, c'était de fragmenter le peuple palestinien en 4-5 morceaux, et c'est ce qui s'est passé. Tu avais un morceau à Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, les Palestiniens en 48 et les Palestiniens à l'exil. Il y avait presque aucun contact avec ces bouts de morceaux qui les ont distribués partout. Stratégiquement, dans la géopolitique, ça veut dire comment on arrive, après 30 ans, 4 ans, 40 ans, 50 ans, à mettre un terme à l'existence d'un peuple. Heureusement qu'il y avait ces soulèvements palestiniens tous les 4, 5, 6 ans qu'ils ont rappelés. Que voilà, le peuple palestinien, il existe, il est en train de résister, il refuse, il continue de refuser. Et les forces occidentales, y compris la France, parce que après la France, après 2002, 2003, après Chirac, elle a plus de prise de position loin des Américains par rapport au tout ce qui est question internationale. Mais même avant, les forces occidentales, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu garder un statu quo qui est stable, où les Israéliens ils sont en train de changer les faits sur place, et les Palestiniens appellent à une paix juste entre deux peuples, sans que personne les écoute. Et dans l'autre, les Israéliens ils sont en train de coloniser, coloniser, coloniser. Si on parle que de la Cisjordanie depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, en Cisjordanie, il y avait 100 000 colons à l'époque. Aujourd'hui, on est à 700 000 colons en Cisjordanie. 7 fois plus de colons pendant l'époque de paix, entre guillemets. Ça veut dire que ça, ce n'était pas un plan de paix. Mais quand on voit aujourd'hui dans ce génocide en cours,
qui vraiment vise l'ensemble du peuple palestinien. Là, on voit les images à Gaza qui sont dures, on voit les bombardements, les essais de déplacement et tout ça. Mais juste, quand on regarde la Cisjordanie, quotidiennement en Cisjordanie, il y a des camps de réfugiés rasés, détruits, des assassinats. Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, 460 Palestiniens tués en Cisjordanie. Ça, personne n'en parle. Tous les yeux, ils sont sur Gaza. Des milliers d'hectares de terres sont confisqués quotidiennement par les colons et par le gouvernement israélien dans le sud du Hebron, dans la vallée du Jourdain et ailleurs. Il y a une accélération massive des projets coloniaux en Cisjordanie. Et il y a la répression qui a augmenté dans les Palestiniens qui vivent en Israël après la déclaration de l'état d'urgence après octobre, et aussi les Palestiniens qui sont à l'extérieur, les réfugiés qui étaient visés dans cette guerre. Parce que quand on voit la décision d'annuler le rôle de l'UNRWA au milieu de ce génocide, ça, c'est pas une question que humanitaire, c'est une question essentiellement politique. L'UNRWA, pour ceux qui ne savent pas, l'UNRWA, c'est l'association internationale au niveau des Nations Unies, la seule qui a gardé le statut des réfugiés palestiniens qui peuvent le garantir génération après génération. S'il n'y a plus d'UNRWA, ça veut dire que la question de réfugiés palestiniens n'existe plus en termes de droit. Ça veut dire, là, ils sont en train d'utiliser ce génocide en cours pour éliminer totalement l'UNRWA. Sans parler de ce qu'elle fait humainement, l'UNRWA, pour les Palestiniens, parce qu'elle s'occupe de réfugiés. Par exemple, 75% de la population de Gaza, c'est des réfugiés. Tout ce qui est école, alimentation, occupation de camps de réfugiés, tout ça, c'est l'UNRWA qui s'en occupe. En Cisjordanie, la même chose. Tous les camps de réfugiés à l'extérieur de la Palestine, tout ce qui est Liban, Jordanie, Syrie et ailleurs, c'est l'UNRWA qui subventionne et qui aide financièrement. Alors il y a aussi cette question clé visée par les Américains et les forces occidentales pour voilà, utiliser le moment politique pour essayer d'annuler le statut des réfugiés palestiniens qui durent depuis 75 ans. Alors ce plan de vider la bande de Gaza, que je pense que l'enjeu il vient urgent aujourd'hui, parce que même après le cessez-le-feu, qui n'est pas permanent, hein, pour le cessez-le-feu qui était voté, il était voté que pour 2 semaines. C'était pas un cessez-le-feu permanent. Même avec le cessez-le-feu, les Israéliens, ils ont dit clairement qu'on va pas respecter. De toute façon, dès le début, ils n'ont rien respecté. Et là, ils sont en train d'augmenter les massacres et ça, ils sont en train de préparer le terrain pour leur offensive à Rafah. Si Rafah est attaqué sans sortir la population vers le nord de Gaza, les faire entrer vers le nord de Gaza ou vers le centre de Gaza, ça veut dire que les Israéliens, ils ont décidé de faire sortir la population. Premièrement, ils vont bombarder les frontières égyptiennes. Et ils vont pousser les gens à partir, après refermer les frontières et après commencer à négocier comment et combien ils veulent faire rentrer. C'est vraiment, on est là dans la dangerosité du plan qu'ils ont déclaré dès le premier jour. Un autre truc, ça c'est en général, parce qu'il y a aussi la question du. Et là, Jared Kushner, le neveu de Trump, l'a déclaré il y a 3 jours. Il a dit, bah, pour régler la question du gaz en face de Gaza, il faut avoir moins des Palestiniens possibles à Gaza. Et les Américains, ils ont l'œil sur les trésors qui est en face de Gaza. Tout le monde est en train de chercher qui va profiter de sortir ce trésor de en face de Gaza. Alors, ça ne m'étonne pas que l'installation du port temporaire aujourd'hui américain en face de Gaza, il porte 1 000 soldats Marines avec lui. Et ce port temporaire avec 1 000 soldats Marines, il n'est pas installé aujourd'hui pour sortir dans 2 mois. Ça, c'est clair. Alors, on est dans
Vraiment, on est rentré dans une période où toute la région, elle est en train de changer. On est dans la réinstallation de la région. Déjà, les Américains, ça se voyait qu'ils n'étaient pas clairs. Ils n'étaient pas clairs pour gérer tout ce qui s'est passé depuis quelques mois. Ils alertaient dès le début, on ne veut pas aller vers une guerre régionale, on veut pas aller vers une guerre régionale, mais on est déjà dans la guerre régionale. Quand on voit ce qui se passe dans le sud de Liban depuis des mois, plus de 500 Libanais tués, les affrontements sur place, ce qui se passe depuis la Syrie, là, il n'y a même pas 3 heures, ils ont attaqué la Syrie. Ce qui s'est passé en Irak et les attaques contre tout ce qui est consulat américain et accompagné, les intérêts américains et les bases armées américaines en Irak et même en Jordanie, là où il y avait l'incident où 5 soldats américains étaient tués. Mais à mon avis, la question qui est super importante, ce qui s'est passé avec le Yémen. Le Yémen, il a changé. Il a changé des règles mondiales par rapport au commerce américain. Aujourd'hui, il n'y a pas un bateau commercial qui va en Israël par la mer Rouge. Que ce soit israélien, que ce soit européen, que ce soit américain, que ce soit de n'importe quelle nationalité, il n'y en a aucun qui passe. Ça leur a fermé deux ports dans le sud, Eilat et Ashdod. Mais aussi, ça a influencé toute l'économie mondiale. Et pourquoi je parle de la mer Rouge? Parce que, pour ceux qui ne sachent pas, en 2030, il y avait le plan américo-israélien d'ouvrir un nouveau canal qui s'appelle le canal de Ben Gurion, qui remplace le canal de Suez. Le canal de Suez, il va vers la gauche, on va dire, et ils avaient prévu un autre canal de côté droite qui s'appelle le canal Ben Gurion pour essayer d'affaiblir au maximum le rôle du canal de Suez et que Israël ait la main supérieure avec l'Arabie Saoudite du deux côtés du canal. Et c'est pour ça qu'ils allaient vers la normalisation avec l'Arabie Saoudite, c'est gérer, réinstaller la région de nouveau. Parce que la région, elle n'est pas stable. Et les Américains, ils savent bien que la région n'est plus, la région n'est plus stable. Ils ont essayé, après 2011, d'éliminer la cause palestinienne totalement. Pourquoi je dis 2011? Parce qu'en 2011, on avait le printemps arabe. Malheureusement, le printemps arabe, il a commencé et un soulèvement populaire pour le changement d'un peuple. Il a fini par une contre-révolution contrôlée par les réactionnaires arabes avec le soutien des forces occidentales où ils ont installé les régimes qui sont aujourd'hui dans le pouvoir. Les régimes qui sont ici aujourd'hui au pouvoir, pour rester au pouvoir, ils ont donné l'accord aux Américains que pour nous, pour rester au pouvoir, et les Américains leur ont imposé qu'Israël doit devenir un État normal dans la région. Débrouillez-vous pour ça. Alors, ils sont passés par la question de la normalisation. Les accords d'Abraham au début, avec les pays du Golfe, après le Maroc, et c'était à deux doigts de se faire signer avec l'Arabie Saoudite. Alors, il y avait cet essai d'éliminer totalement la cause palestinienne, rendre Israël un État normal dans la région, sans donner aucun droit aux Palestiniens. Sans aucun droit aux Palestiniens. Alors, du coup, moi, je pense qu'il s'est passé ce qui s'est en train de se passer. On est loin d'un cessez-le-feu, malheureusement, tout de suite. Ce qui me porte espoir pour moi, pour le moment, quand on parle de la normalisation, elle avait deux buts essentiels. L'économie d'Israël, ces régimes réactionnaires arabes, ils fournissent l'économie d'Israël et Israël fournit la sécurité pour ces régimes. C'était plus ou moins ça le deal. Depuis des mois, si on observe ce qui est en train de se passer à Gaza, et les déclarations de Netanyahou et le ministre de la Défense américaine le premier jour, ils ont déclaré que nous, à Gaza, on a deux buts essentiels. Avant de les réaliser, on ne va pas arrêter la guerre. Détruire totalement tout ce qui est parti politique et présence armée à Gaza et à compagnie. Deuxième, récupérer les otages
sans faire des échanges avec les prisonniers politiques palestiniens. On est à 5 mois et demi après, avec toutes ces bombes et tous ces massacres. Qu'est-ce qu'elle a abouti, Israël, jusqu'à aujourd'hui, de ces buts, de ces deux buts militaires? Zéro. Zéro. Avant-hier, les missiles sont partis sur Ashdod. Les missiles, ça part tous les jours. Ils n'arrivent pas à avancer. Chaque jour, ils ont des soldats tués à Gaza. Et ils ne vont pas y arriver. Deuxième chose, les otages. Ils parlent des otages. Ils savent bien que les otages, ils vont pas pouvoir les récupérer sans un échange. Même les Américains, maintenant, ils sont en train de leur dire, c'est clair qu'on va pas pouvoir vous aider là-dessus. Là, ils ont tué, avec le bombardement, eux, ils ont tué au moins entre 30 et 35 otages. Et les restes, mais moi, je suis bien conscient que sans un échange avec les prisonniers politiques palestiniens, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de libération d'otages. Il n'y aura pas de libération d'otages. Et quand on parle de cet échec militaire, stratégique des Américains et des Israéliens à Gaza, on réfléchit directement. Ça sera quoi l'intérêt de continuer la normalisation avec les pays arabes? Si Israël, aujourd'hui, un petit bout qui s'appelle Gaza, ça fait 5 mois et qu'elle n'arrive pas à occuper, ça veut dire toute la théorie de l'armée israélienne. Elle est tombée. Elle est tombée. Aujourd'hui, les Iraniens, ils tuent pour le plaisir de tuer parce qu'ils ne savent pas quoi faire, comment s'en sortir de là où Netanyahou les a ramenés. Et dernière chose avant de passer sur la question de. Parce que moi, j'ai essayé de faire deux parties. Une partie avant de manger, une partie après manger. Je suis désolé. Dernière chose par rapport à ça, moi je pense qu'aussi, la chose la plus aussi très très importante que la Palestine aujourd'hui est revenue la première priorité mondiale. Tout ce qu'ils ont essayé de faire depuis des années, des années, des années, des années, aujourd'hui, on voit que la Palestine est la première priorité mondiale partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Quand on voit le changement de rapport de force par rapport à l'opinion publique, par rapport à la cause palestinienne, on voit que clairement il y a un changement. Macron, s'il n'y avait pas ces soutiens populaires massifs avec toutes les initiatives et tout ce qui s'est passé, il n'aura pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis parce qu'il est devenu humain ou il est parce qu'il est devenu qu'il aime les Palestiniens. Jamais. Il était obligé de changer parce que devant lui, il y avait ce bloc qui était en train de se construire semaine après semaine après semaine. C'est là où il était obligé de changer. Et il sera obligé encore de changer. Moi, je suis Salah Amouri, franco-palestinien. Ma mère est française, mon père est palestinien. J'étais né, vécu toute ma vie en Palestine. Je suis de Jérusalem. Comme vous savez, les gens de Jérusalem n'ont pas de nationalité à la naissance. Ils ont une carte de résidence temporaire qui leur permet de vivre à la ville. Et pas de nationalité. Moi, j'ai la nationalité française parce que ma mère est française. Comme beaucoup des Palestiniens, vu ce qui se passe en Palestine, j'étais arrêté assez tôt dans ma vie, à l'âge de 16 ans, la première fois en 2001, et ça n'a pas arrêté jusqu'à 2022. Entre 2001 et 2022, j'ai passé en total 10 ans. Dans les prisons israéliennes entre 2011 et 2014. J'ai fait mes études de droit et j'ai étudié le droit et je suis devenu avocat pour la défense des droits des prisonniers à l'association Ad-Damir, une des 5 ONG qui ont été déclarées comme organisation terroriste en 2019 par l'ancien ministre de la Défense israélienne. Alors, quand on en parlait juste avant de s'arrêter, la question de génocide, ce qui se passe, les destructions, les méthodes que les Israéliens sont en train d'utiliser aujourd'hui pour avancer et continuer
ce génocide est en cours. Parce que vous savez que le génocide, c'est pas le acte direct. C'est pas que le acte direct du massacre lui-même. Non, mais comme l'expliquait hier Francesca Albanese, c'est toute la de arracher le terme humain d'un groupe, c'est de déshumaniser un groupe totalement avant d'arriver au massacre. Et c'est ça, moi je suis revenu sur ce terme-là, c'est parce que les forces occidentales, ils ont déshumanisé les Palestiniens directement. Déshumaniser les Palestiniens, ça veut dire qu'ils ont donné les feux verts à ce massacre qui est en cours. Ce n'est pas que le acte lui-même qui est en cours. Alors parmi ces choses qui sont faites, il y a la question des arrestations. Il y a la question de l'emprisonnement, des prisons, la question du système carcéral israélien qui n'est pas nouveau. Les Palestiniens ont reconnu les prisons même avant le 1948, même pendant la préparation de la création de l'État d'Israël, pendant le mandat britannique, quand il s'est installé, il y avait les révoltes palestiniennes, les plus connues, 29 et 36, 1929 et 1936. Mais après l'occupation de 1948, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où les prisons israéliennes étaient vides des Palestiniens. Il y a toujours une génération qui donne le relais à une autre génération dans les prisons israéliennes. Ce système carcéral et juridique, parce que moi je ne fais pas de différence entre le système juridique et le système carcéral, parce que un est servi à l'autre directement. Et pour moi, la question du parler de entre guillemets d'un système juridique, pour moi, la question de justice et occupation, ça ne marche pas ensemble. Ce n'est pas deux mots qu'on peut mélanger. Pour moi, tous les tribunaux israéliens, que ce soit civil ou militaire ou autre façon de justice, pour moi, ils sont complices dans la question de l'occupation. Ils font tout pour rendre l'image, la belle image de la seule démocratie dans le Proche-Orient. Aujourd'hui, malheureusement, les arrestations se sont intensifiées après octobre, des vagues des arrestations de vengeance qui sont lancées contre les Palestiniens. Je veux faire ça en catégories, comme ça on peut mieux comprendre. Il y a la première catégorie, les prisonniers de Gaza, et la deuxième, les prisonniers de tout ce qui est Cisjordanie, Jérusalem, les Palestiniens 48 et tous les restes des prisonniers. La première catégorie, celle de Gaza, avant octobre, il y avait entre 120 et 140 prisonniers de Gaza. Ils restent dans les prisons israéliennes parce que la majorité des Gazaouis sont sortis de prison après l'échange avec le caporal franco-israélien Gilad Shalit à l'époque de 2011. C'est là où aussi moi je suis sorti. On était échangés 1027 prisonniers devant un soldat franco-israélien. Et depuis, il restait 100 et 100 et quelques Gazaouis. Mais malheureusement, depuis octobre, et on a vu, j'imagine que vous avez vu les photos des arrestations arbitraires par l'armée israélienne, les photos des hommes presque nus dans les camions. Aujourd'hui, le chiffre qui n'est pas exact de la bande de Gaza, il y a entre 4 500 et 5 000 arrêtés depuis la bande de Gaza. Et ça, il y a le chiffre, c'est le chiffre qui reste aujourd'hui en gros, parce qu'il y en a qui sont sortis, surtout les travailleurs qui étaient en Israël et qui étaient arrêtés après octobre. C'est les gens qui sont sortis. Ils ont donné des témoignages que moi, je n'ai jamais imaginé que ça peut arriver à ce niveau-là de la torture physique et psychologique. Les 4 000 ou les 5 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, ils sont considérés comme personnes disparues
Pour le moment, on n'a aucune info exacte, détaillée de la situation de ces 4 000 personnes arrêtées dans la bande de Gaza. Il y a des femmes, il y a des hommes. On sait qu'il y a 30 enfants arrêtés. Il y a une dizaine des femmes arrêtées et le reste, c'est des adultes hommes. On sait que les hommes adultes, ils sont arrêtés dans une base armée dans le sud, mais pas plus, pas moins. Les restes, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Malheureusement, le journal Haaretz, il y a quoi? Il y a 2 semaines, ça va faire 2 semaines aujourd'hui, le journal israélien, il a confirmé dans un rapport le mort de 27 prisonniers de la bande de Gaza après leur arrestation à cause de la torture physique dans laquelle ils ont subi. Malheureusement, on a vu des témoignages, par exemple, juste un témoignage qui me revient en tête, moi, tous les jours, qu'ils ont arrêté 12, 12 personnes de la bande de Gaza, ils étaient nus qu'en slip. Ils ont creusé le sol, et comme vous savez, à Gaza, c'est du sable. Ils ont creusé le sol, ils ont enterré jusqu'à là les détenus palestiniens, menottés, mains et pieds, pendant leur demi-enterrement. Ils les ont laissés 12 heures dans la nuit au froid. Le matin, ils lâchaient les chiens sur les prisonniers, pas pour les mordre, mais pour se salir sur eux et tout ça. Et là, ils les ont laissés au moins une journée attachés dans cette façon-là. Après, là, vous pouvez voir sur le réseau les témoignages des gens qui sont en train de sortir des cendres d'interrogatoire où il y a les gens de la bande de Gaza. Mais aussi, les femmes et les enfants sont considérés comme des disparus. On a quelques informations qui disent qu'il y a 30 enfants dans une prison. On n'est pas sûr. Tous les enfants, les femmes et tout le monde est privé ni de visite d'avocats et de visite de Croix-Rouge et accompagnés. La deuxième catégorie, c'est les prisonniers du reste de la Palestine. Avant octobre, on était à 5 200 prisonniers politiques. Il y avait parmi eux au moins 650 qui étaient jugés à vie. Le plus ancien prisonnier politique aujourd'hui en Palestine, c'est Nair el-Barghouti. Il est en prison depuis 42 ans. Il y a un groupe des prisonniers, environ 30 Palestiniens, les plus anciens prisonniers qui sont là dans les prisons israéliennes avant les accords de Oslo. Ça veut dire qu'ils sont en prison depuis plus que de 31 ans. Aujourd'hui, le chiffre malheureusement il s'est triplé depuis octobre. Depuis octobre, au moins 7 800 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne qui augmente le chiffre au moins à 11 000 de la part de la Cisjordanie et à côté 11 000 prisonniers politiques. Ces prisonniers sont diffusés sur l'ensemble des 20, 22, 23 prisons qui existent chez l'occupant. Il faut savoir, ça vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, mais il faut savoir que toutes les prisons israéliennes se trouvent derrière la ligne verte, ça veut dire les frontières de 1967, derrière le mur et les checkpoints. Ces prisonniers, ce système carcéral israélien, il a un seul but, c'est de briser totalement la mentalité et la volonté et la psychologie de ces prisonniers palestiniens et les rendre à charge sur leur famille et une charge sur leur société au moment de leur libération. Les Israéliens, ils font tout pour briser les hommes et les femmes qui passent par les prisons israéliennes. Alors, parmi les 10, 11 000 aujourd'hui, et malgré les trêves qui ont eu lieu et les échanges qui ont eu lieu en novembre, il y a 250 enfants toujours en prison.
Des enfants, on peut trouver des enfants de l'âge de 12, 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Les femmes, il y a 70 femmes. Il y a 3 700 prisonniers en détention administrative. Et après, je vais détailler sur tout ça. Et plus que de 1 000, 1 200 prisonniers avec des maladies ou avec des dossiers médicaux. Malheureusement, depuis octobre de la Cisjordanie, et il y a 12 Palestiniens tués par l'administration des prisons à cause de la torture physique et psychologique. Cette torture énorme que moi, on a des échos des gens qui sortent, on n'a jamais vu un tel truc. Par rapport aux détails de ces catégories, 250 enfants. Les enfants, il faut savoir qu'ils sont traités de la même façon que les prisonniers adultes. Aucune différence de traitement que le reste des prisonniers. Moi, par exemple, moi j'étais arrêté la première fois quand j'avais 16 ans, en 2001. J'étais arraché par les forces spéciales à la maison, après conduit jusqu'à le centre d'interrogatoire à Jérusalem, où directement après avoir été fouillé et tout ça, ils m'ont fait rentrer dans une salle avec un petit chaise comme ça qui est attaché au sol. Moi, les mains, ils me l'ont menotté derrière le dos avec un canevas qui ferme sur les menottes, les pieds attachés au lit, au pied de la chaise. Ou par exemple, la majorité du temps, je me faisais interroger 23 heures sur 24 heures assis sur une chaise. Et pour eux, c'est du travail, bien sûr, tous les 8 heures, ils changent de la personne qui fait l'interrogatoire, et toi, tu changes 8 heures après 8 heures après 8 heures après 8 heures. Et ça peut durer des semaines et des mois. L'heure du repos de 1 heure qui te rend plus fatigué, il te ramène dans une petite cellule de 2 à 3 mètres carrés où il n'y a que la porte blindée. Ils ouvrent la porte blindée, ils te font rentrer, ils ferment la porte. C'est une petite cellule grise avec une petite lampe jaune, un petit matelas et une couverture par terre, un petit trou dans le sol, qui est les toilettes. Et par exemple, moi, j'ai passé 2 mois isolé dans cette pièce à l'âge de 16 ans, où juste je sortais pour les interrogatoires, et ils me ramenaient dans cette cellule, et je sortais et je rentrais. Bien sûr, on était privé de visite des parents, majorité de temps interdit de recevoir les visites des avocats, des menaces, de la torture psychologique énorme. Mais même un enfant, une fois qu'il est transféré dans une prison, la question n'est pas finie parce que ce traitement pour les enfants, par exemple, les enfants, ils sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes, auxquels les Israéliens refusent de établir un tribunal spécial pour les enfants, malgré qu'ils avaient signé la Convention des droits des enfants. Ils sont jugés pour des longues peines. Dans la prison elle-même, les traitements pour les enfants, c'est la pire des fois que les adultes. Les conditions elles-mêmes sont difficiles. Par exemple, les enfants sont privés de continuer leurs études pendant toute leur période de l'emprisonnement. Les enfants passaient des mois et des mois et des mois sans recevoir des visites de leurs parents. J'explique pourquoi. Parce que comme j'ai expliqué, les prisons, ils se trouvent derrière la ligne verte pour avoir accès aux prisons pour les familles. Et c'est que la petite famille qui visite, père, mère, frère et sœur. Ils sont obligés de passer par la Croix-Rouge pour obtenir pour obtenir une permission de passage. Et par exemple, pour les Israéliens, les premières 3 mois, c'est en vérification pour les enfants. Ça veut dire qu'ils vérifient que si les familles, ils ont droit de visiter.
Alors déjà, tu as passé 2-3 mois et plus des fois en interrogatoire, plus les 3 mois de demande de visite. Ça veut dire automatiquement un enfant, il est 6 mois ou plus privé de visite pour les protocoles israéliens. Et par exemple, si le père ou la mère ou les frères et les sœurs, c'était un ancien prisonnier ou prisonnière, automatiquement ils n'ont pas le droit de visiter l'enfant pendant toute sa période d'emprisonnement. Alors si on imagine juste que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 850 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes, ça veut dire de 33-37% de la société, ça veut dire qu'il n'y a pas une maison sur deux où il n'y a pas un ancien ou une ancienne prisonnière. Alors tu as déjà automatiquement quelqu'un de la famille qui est privé de visite. Alors même, par exemple, ça, quand on est devenu adulte, on a demandé à plusieurs reprises l'intervention de chez les prisonniers enfants, mais malheureusement toutes les demandes ils étaient refusés par l'administration de prison pour les aider à gérer leur vie et les accompagner. Même les enfants, aucun droit n'est respecté pour les enfants. Des fois ils sont même traité plus dur. Par exemple, on a le cas aujourd'hui de Ahmad Manansra, un enfant de Jérusalem arrêté à l'âge de 13 ans, 14 ans, blessé à balle au moment de son arrestation, conduit directement aux interrogatoires. Il a passé des interrogatoires difficiles, torture physique, psychologique, et à cause de cette situation, il a développé des maladies psychologique énorme, et les Israéliens y prétendent qu'il est devenu violent. À la place de lui donner le soin adapté pour ses maladies, ça fait 3 ans qu'ils l'ont envoyé à l'isolement total. Il est isolé tout seul dans une petite cellule de 2 à 3 mètres. Aujourd'hui, c'est le cas des centaines de Palestiniens à l'isolement total. Aujourd'hui, il y a des centaines de Palestiniens, des enfants, des hommes, des femmes qui sont à l'isolement total. Mais quand tu mets un enfant avec une maladie mentale dans une cellule, il est enfermé 23 heures sur 24 heures. À l'heure de la sortie à la cour, il doit choisir s'il doit être menotté à main ou à pied. Il est privé de visite et privé de contact d'avocat et sa maladie et son soin adapté n'est pas donné. Ça veut dire que tu as pris la décision de le tuer. Tu as décidé de tuer cet enfant-là. Et aujourd'hui, on voit les témoignages des enfants qui sont libérés. Pendant les trêves, on a vu les témoignages. On a vu des enfants avec des dos cassés, des bras cassés, des pieds cassés à cause de la torture physique aujourd'hui dans les prisons. Alors je pense que les prisons israéliennes, ils ont un seul but, c'est vraiment d'assassiner l'enfance de ces enfants palestiniens. Deuxième chose, c'est les femmes. Aujourd'hui, 70 femmes dans les prisons israéliennes. Les femmes aussi, ils subissent des circonstances, des détentions très, très, très difficiles et des fois plus difficiles que le reste de l'ensemble des prisonniers. Ces femmes aujourd'hui, celles qu'on connaît, bien sûr, les 70, ils sont dans la prison de Ad-Damoun entre Tel Aviv et Haïfa. C'est un bâtiment qui n'était pas fait pour que ce soit une prison à la base. C'est un bâtiment britannique qui était utilisé pour le stockage du tabac et l'élevage des chevaux, pas loin de la mer. Alors c'est un bâtiment super, super, super humide. Et un ancien bâtiment, il fait froid l'hiver, il fait super chaud l'été. Par exemple, aujourd'hui, les femmes dans les prisons, ils sont privées de tous leurs droits. Depuis des mois, tous leurs biens, ils étaient confisqués. Ils ont droit à un matelas et une couverture. Le matelas, il est donné à 9h du soir et ils le retirent à 6h du mat. Le reste de la journée, ils n'ont que les lits superposés en métal.
Ils sont privés de sortir dans la cour. Le ministre, le facho ministre Itamar Ben-Gvir, qui est en charge de la question des prisons, il a donné l'ordre que les femmes y reçoivent 1 minute 30 secondes d'eau chaude par jour. Ils sont agressés, ils sont même torturés, et c'est surtout les vagues des arrestations qu'ils ont lancées aujourd'hui, il y a quelques jours, contre les anciennes prisonnières comme Bouchra Taouil, Khaled Al-Jarrar et d'autres. Mais les femmes, des fois, il y a des conditions très très spéciales que les Israéliens utilisent contre eux. Par exemple, moi j'ai suivi des cas et je connais des cas où il y a des femmes enceintes arrêtées. Alors les femmes enceintes arrêtées, il y en a un qui, malheureusement, à cause de cette torture physique et psychologique, il perd le bébé à cause de cette torture. Il y en a qui puisse le garder après en prison. Alors une femme enceinte en prison, ses besoins ne sont pas respectés. Mais même, par exemple, au moment de l'accouchement, les femmes sont transférées dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital de Ramleh, qui est dans une prison. Et les femmes sont obligées d'accoucher pendant qu'ils ont au moins une main et un pied menottés au lit au moment de l'accouchement pour des raisons de sécurité. Et après, ces mamans, ils ont le droit de garder les bébés 2 ans en prison, l'élever en prison, le gosse, et après le sortir hors de la prison pour la famille. Mais il y avait des familles où tu avais toute la famille qui était en prison. Le père, la mère, les frères et les sœurs. Alors, ils sortaient le bébé pour la grande famille en attendant la libération de n'importe qui de la famille pour garder le bébé. Troisième chose, la détention administrative. Aujourd'hui, entre 3650 et 3700 détenus en détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948 et les Israéliens l'auront appliquée sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois. Cette arrestation est basée sur un dossier de sécurité secret. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison. Ni l'avocat, ni le prisonnier ont le droit de savoir il y a quoi dans ce dossier. Ce dossier, il reste secret entre le procureur militaire et le juge militaire, ou le procureur civil et le juge civil, parce qu'il y a plusieurs systèmes. Mais le problème de cette détention, c'est que ces périodes sont renouvelables. Ça veut dire que tu peux recevoir un ordre après un ordre après un ordre après un ordre. 6 mois plus 6 mois plus 6 mois plus 6 mois plus 6 mois. Tu peux passer 2, 3, 4 ans en détention administrative. Juste en imaginant que depuis la réoccupation la réoccupation de la Cisjordanie en 2002, il y a des Palestiniens qui ont passé de Cisjordanie, il y a des Palestiniens qui ont passé plus de 15 ans en détention administrative. On les arrête 3 ans, on les libère 1 mois, 2 mois, 3 mois, on les rearrête encore une fois pendant 3 ans et ça continue. La détention administrative, c'est vraiment un des moyens très clairs pour la destruction de la vie sociale, économique, culturelle, politique de tous les Palestiniens. Parce qu'elle est utilisée dans des moments les plus pires dans la vie des gens. Par exemple, on arrête un étudiant aux frontières ou au moment qu'il va voyager parce qu'il a eu une bourse à l'extérieur pour continuer ses études. On arrête un membre de la famille, le fils ou la fille d'un père décédé au moment de sa mort pour pas qu'il participe à l'enterrement. Moi, ça nous est arrivé par exemple à un pote à nous juste août dernier. Il y avait son mariage le 1er août. Une semaine avant, ils lui ont dit c'est pas la peine de distribuer les cartes de mariage parce qu'on t'a prévu un cadeau.
Ben, le cadeau, c'était 3 jours avant son mariage, son arrestation, 6 mois de détention administrative, et depuis, il est en détention. Alors, elle est utilisée pour la torture des gens, et même pour quelqu'un qui est en prison. De savoir, par exemple, est-ce que je vais être libéré? Je ne veux pas être libéré. Tous les 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, tu te poses la question comment ça va être, comment ça peut être, comment ça va se développer. Et tu ne sais pas si tu vas être renouvelé ou pas renouvelé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois quand j'étais en détention administrative. Le dernier jour, une heure ou 2 heures avant ma libération, ils me ramenaient le papier pour me dire voilà. La détention administrative, elle est renouvelée. On peut dire tout qu'elle est contre le droit international, elle est arbitraire, on peut vraiment dire tout. Mais c'est vraiment la façon où les renseignements israéliens gèrent la vie des Palestiniens dans tout ce qui est Cisjordanie, Gaza, Jérusalem et les Palestiniens de 48. Et c'est applicable à Gaza aujourd'hui. Quatrième chose, c'est les prisonniers malades. Malheureusement, avant octobre, sur 5200 prisonniers, on avait quoi, 700, 800 dossiers des prisonniers malades. Mais malheureusement, depuis octobre, vu que le chiffre il a augmenté. Même les dossiers avec la torture, le dossier de ces prisonniers malades aussi, il a dû se multiplier. Mais vraiment, une fois que tu es tombé malade en prison, tu peux vraiment commencer avec une maladie grave, tu peux vraiment commencer à voir la fin de ta vie en prison, parce que il y a cette négligence médicale systématisée par l'administration de prison qui est utilisée comme politique pour approfondir la souffrance de ces prisonniers et de ne pas donner les soins adaptés pour leur maladie, surtout les prisonniers avec les maladies graves comme le cancer et d'autres. Et pourquoi je dis cette négligence médicale systématisée? Parce qu'en imaginant, et ça arrivait avec tout le monde, quand on était en prison, une fois que tu réclames, t'es malade, le premier jour, semaine, ils ont un genre de aspirine magique qui te le donne pour tout genre de maladie que tu as. Tout genre de maladie, ils te le donnent de l'aspirine. Une fois, par exemple, tu as une maladie grave, c'est sûr qu'après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, cette maladie, elle est devenue plus grave. Elle est devenue plus grave à cause de cette négligence. Après, par exemple, quand on était au Negev, on était dans une prison qui s'appelle le Negev. Et c'est une prison au milieu du désert, vers les frontières égyptiennes, où on était détenus 1800 prisonniers. 1800 prisonniers, on avait le droit à un dentiste et un docteur. Alors, va voir qui est le docteur ou qui est le dentiste qui veut gérer la vie de 1800 personnes. Parmi eux, il y a des malades, des vieux, des gens avec des blessures. Il y a des maladies qui se développent dans les prisons. Alors ça peut attendre des jours et des semaines pour accéder au docteur. Une fois que tu es arrivé chez le docteur, bon, il a conseillé que tu dois être opéré ou tu as besoin de plus de vérifications et compagnie. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Il y a un seul hôpital qui s'appelle la prison de Ramleh, où il y a une section spéciale prisonniers politiques palestiniens. Il y a 60 places, 70 places au mieux. Il y a 20 places qui sont prises toute l'année par des prisonniers qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital. C'est-à-dire que sur l'ensemble des restes des prisonniers, tu as 60 places ou 40 places. Des fois, tu peux attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour pouvoir accès à l'hôpital. Moi, j'ai vu des gens qui avaient besoin des opérations. Ils ont attendu 3 ans. Et il y en a des gens qui sont morts sur le chemin hein, en attendant de se faire opérer. Parce que depuis 1967, bien évidemment, il y avait avant, mais les calculs, ils ont commencé juste après 1967. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, les prisons israéliennes, ils ont coûté la vie de au moins 255
Palestiniens morts dans les prisons israéliennes, soit de la négligence médicale ou torture ou d'autres choses, mais ça s'est passé en prison. Moi, par exemple, je me souviens en 2008, 2009, on était dans la prison de Jelbourg. Et il y avait un Syrien du plateau du Golan occupé avec nous. Et après quelques vérifications et tout ça, ils ont découvert qu'il a la maladie de cancer. Bon, après des allers-retours, ils ont décidé de l'opérer. Ils l'ont ramené à l'hôpital, ils l'ont ouvert le ventre, ils l'ont opéré. En revenant à la cellule, le docteur, il vérifie tout ça. Ce pote-là, il était jugé à 25 ans de prison. Il avait déjà passé 23 ans. Et du coup, au conseil de docteur, que ce prisonnier, il ne va pas vivre plus que 6 mois à cause de cette maladie grave qu'il a. Il a conseillé au directeur de la prison une remise de peine pour ne pas avoir une crise interne. Parce qu'il est syrien, il est druze, bon, il y a un calcul spécial. C'est bien de le libérer. Le tribunal l'a libéré. Au bout d'un an, ce prisonnier n'était pas mort. Alors au bout d'un an, le même tribunal s'est réuni pour le remettre en prison parce que les calculs de docteur, ils étaient pas bons. Bon, et on a fait des recours et tout ça, et le prisonnier était mort après. Mais c'est dans cette mentalité malade que les Israéliens gèrent la vie de ces prisonniers malades en prison. Le but, c'est de le tuer, clairement. Et malheureusement, une fois que tu es mort dans la prison israélienne, ta souffrance n'est pas finie. Parce que les Israéliens, ils gardent les corps morts des prisonniers palestiniens jusqu'à la fin de leur détention. Aujourd'hui, dans ce cadre de la détention des corps morts, on a au moins 40 Palestiniens morts dans les prisons israéliennes qui sont détenus dans ce qu'on appelle des cimetières à numéros. Ça existe dans la seule démocratie du Proche-Orient, des cimetières à numéros où il y a les gens qui sont morts en prison, ils les prennent, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Après, ils les mettent dans une cimetière à numéros qui était découvert par hasard par des Palestiniens. Et à mon avis, c'est la mentalité coloniale pour la continuité de la torture, pour la famille, pour les proches, pour la société et pour montrer que votre souffrance... La mort ne finit pas votre souffrance dans la prison elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore deux sujets, après je termine. Je suis désolé. Malgré cette vision et malgré ces témoignages, je sais qu'il est un peu dur. Mais nous aussi, on a vite compris le but de notre emprisonnement. Nous, en tant que des gens engagés, des gens attachés, des gens qui résistent, et on a vite compris le but de cet emprisonnement. C'est pas que nous, c'est les générations, parce que je l'ai dit dès le début, la question des prisons, c'est un héritage de génération après génération, parce que les visites, les prisons, ils n'étaient jamais vides. Alors du coup, ce système dans la prison elle-même, il est donné d'une génération à une autre. Il faut savoir que nous, on n'était détenus que entre prisonniers politiques. On n'était pas mélangés avec des prisonniers de droit commun ou d'autres prisonniers. Vu qu'on a compris que le but de notre emprisonnement, c'est de nous briser, de nous casser, de arrêter notre engagement en faveur de notre peuple et notre cause, nous, on a tout fait l'inverse pour vraiment que les Iraniens puissent pas appliquer leur but sur nous en prison. Pour nous, c'était hors de question qu'on se fait casser dans les prisons israéliennes. Cette décision collective, elle est prise depuis longtemps. Pour nous, en tant que personnes engagées, on n'arrête pas notre lutte devant les portes de prison. On continue le combat, même dans la prison, dans des autres formes. Peut-être vous vous demandez comment. Et comme j'ai dit, il y a 22-23 prisons distribuées et nous on était que entre prisonniers politiques. Par exemple, nous on avait nos élections annuelles discrètes.
Il y avait un système électoral qu'on a développé. On avait nos élus dans le Congrès qui vont être élus. Chaque élu, il est responsable de former son petit groupe de travail. Ces groupes de travail, ils sont beaucoup dans la prison. Un groupe de travail pour la sécurité, pour lutter contre les infiltrations et d'autres. Un groupe de travail d'organisation, un groupe de travail pour gérer la vie administrative, un petit groupe de travail qui était plus ou moins une ministère des Affaires étrangères pour chaque prisonnier, pour chaque prison, pour faire le contact avec l'extérieur, avec l'autre prison et tout ça. Et tu avais aussi le comité très important, c'était le comité culturel. Parce que comme je dis toujours, le prison, une fois que tu es dedans, l'enjeu est le suivant. Qui contrôle qui dans une prison? C'est le temps qui contrôle l'être humain ou c'est l'être humain qui se fait contrôler par le temps? Nous, on a décidé de contrôler notre propre temps en prison pour rendre utile au maximum les mois et les années de notre emprisonnement. Comment on les rendrait utiles? Alors, on avait cette vie bien, bien, bien organisée, bien, bien solidaire, soutien total un vers les autres. On pense aux intérêts collectifs et pas aux intérêts personnels de chacun et chacune. Cette vie bien organisée, elle commence par exemple 8 h du matin, réveil collectif. On était, dans la majorité des cellules de prison, on était 8 par cellule. À part quand on était à l'isolement, des fois un ou deux par cellule. Réveil collectif 8 h du matin, réveil jusqu'à 9 h, café, thé et compagnie. 9 h, les majorités des gens, ils sortent dans la cour. Il y en a deux, trois qui restent dans chaque cellule pour préparer le petit déjeuner. Après, les gens, ils reviennent à 10 h, 11 h. À 10 h, c'était 10 h, 10 h 15. On mange, on nettoie, on prépare la cellule. 11 h, première cour. Alors, les cours, c'est nous qu'on choisissait les termes de ces formations. Parce qu'en prison, il y a de tout. T'as des spécialistes de tous les trucs. Tu peux avoir des journalistes, alors ils vont faire des formations de journalisme. Tu as des gens qui ont fait leurs études en géopolitique, ils font ça. Il y a des gens qui sont spécialisés en économie qui font ça. D'analyse politique, ils font ça. Et tu as plusieurs sujets sur lesquels tu peux former les gens, surtout la question idéologique et l'attachement politique à la cause. Jusqu'à midi, midi 30. Midi 30, les gens, ils ont une heure et demie de lecture obligatoire parce que dans une prison, tu es obligé de lire au moins de 1 à 2 livres par jour. L'après-midi, on sort dans la cour. Après, le soir, quand on rentre, on mange collectivement. Deuxième cours le soir, vers 7 h. Un deuxième cours d'un autre sujet. 8 h, on garde les infos jusqu'à 9 h à la télé. 9 h, 9 h 30 jusqu'à 10 h, 10 h 30, temps libre. Jusqu'à 11 h, 11 h temps calme, minuit ils éteignent les lampes, tout le monde dort. Alors tu as vraiment une journée bien, bien, bien full où les gens ils sont tout le temps en train de travailler, en train de vraiment construire quelque chose. Pour nous, c'était très important de montrer aux Israéliens que c'est au fond des prisons qu'on est en train de former des jeunes à devenir des vrais révolutionnaires, devenir des vrais résistants, de les attacher de plus en plus à leur cause. Moi, par exemple, moi personnellement, à l'âge de 16 ans, tout mon engagement, on dit en arabe, il part du ventre. Ça veut dire, il part du sentiment. Ce n'était pas un engagement politique ou idéologique. Non, c'est juste après ma première et deuxième incarcération. C'est là où j'ai appris, j'ai vécu avec des résistants, j'ai vu des gens, j'ai appris des choses, et plus en plus, je lis de plus en plus, je découvre de plus en plus. C'est là où tu t'engages à cette lutte à long terme. Bon, il y avait cette vie bien organisée, il y avait cette lutte entre nous et l'administration de prison pour améliorer les circonstances des détenteurs, parce qu'eux, ils essayent de serrer
les choses sur nous et nous, on essaie d'ouvrir des nouvelles pistes. Et c'est un jeu, c'est pas un jeu, c'est un combat qui avance, qui recule, il est lié à plusieurs aspects dans la prison, même dans la région. Jusqu'à qu'on arrive à un moment où, paf, on ne pouvait plus de supporter les conditions de détention. Alors là, il y a le moyen de lutte stratégique qu'on utilisait, c'est la grève de la faim. La grève de la faim, c'est vraiment l'arme le plus stratégique pour nous, pour utiliser, pour mettre la pression sur l'administration de prison. Et pourquoi je dis stratégique? Parce qu'on ne peut pas le sortir déjà tous les 2-3 jours. La préparation d'une grève de la faim collective, elle monte des fois à 8 mois, 9 mois, 1 an de plus des fois de préparation. Vu comment les prisonniers sont distribués, les prisons sont distribuées, il faut faire le contact avec tous les prisonniers, avec tous les prisons, discret, se mettre d'accord sur la liste des grévistes discrets, parce que tu mets de côté les vieux, les enfants, les gens malades, tout ça. Se mettre d'accord sur la liste de demandes, se mettre d'accord sur le petit groupe de travail qui va négocier au nom de tous les prisonniers. Une fois qu'on a fait même le contact avec l'extérieur, avec les partis politiques, les médias, le mouvement de solidarité, parce que c'est pas la grève elle-même qui compte pour les Israéliens, c'est la pression qui vient de l'extérieur. C'est cette solidarité qui pousse les Israéliens à négocier avec les prisonniers. Une fois tout est prêt, on déclenche une grève de la faim. Je parle de ça parce qu'il y a vraiment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui peuvent être commis contre les prisonniers au moment de leur déclenchement de cette grève de la faim. Moi, j'ai eu la chance de participer à deux grèves de la faim, une 2022 et une autre en 2011. Par exemple, celle de 2022, on a déclenché une grève de la faim pour protester contre la détention administrative. Au moment de la déclenchement de cette grève, moi, j'étais pris directement de ma cellule, envoyé à l'isolement total. Tous mes biens étaient confisqués. Ils ont laissé juste un changement, une bouteille d'eau et même le sel. Même le sel qui est important pour nous pendant la grève de la faim, il était confisqué. J'étais mis à l'isolement total dans une petite pièce de 2 à 3 mètres carrés. Un petit lit avec un matelas et une couverture. Devant le lit, il y a un petit mur. Derrière, il y a les toilettes. Une caméra 24 heures sur 24 heures en dessous de ma tête. Bien sûr, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Il n'y a pas de soleil. Qu'une porte blindée. Et voilà, tu es là, tu déclenches ta grève de la faim ici. Et les Israéliens, ils utilisent tous les moyens de pression qu'ils ont dans les mains pour essayer de nous faire reculer et arrêter cette grève de la faim. Le corps d'un gréviste, après 4-5 jours où tu commences vraiment à perdre du poids, tu peux à peine dormir 5-6 heures max dans une journée de grève de la faim. Alors, sur la caméra, la nuit, quand ils te voient que tu as dormi, que tu as réussi à dormir, ils viennent, les forces spéciales, ils ouvrent la porte blindée, ils te réveillent. Voilà, on a l'ordre de fouiller la cellule. Fouiller la cellule qui est déjà vide, juste pour te perturber, te ménoter, te faire sortir de la cellule, perturber le sommeil. Tu reviens, tu ne peux plus dormir. Le lendemain, tu es plus fatigué. Le lendemain, ce n'est pas les forces spéciales, c'est une autre façon de police. Quand tu dors, ils ouvrent la porte, ils te réveillent. Voilà, on a reçu l'ordre de vous donner le menu de 3-4 restaurants qui se trouvent autour de la prison. Vous pouvez choisir votre menu préféré. On vous le ramène chaud juste pour que tu arrives à arrêter la grève de la faim. Le troisième jour, c'est un infirmier qui te réveille. Voilà un tract médical qui dit que vous êtes en 8e jour de grève de la faim. Aujourd'hui, vous allez devenir aveugle. Et ça continue. Tous les jours, tu as des moyens de pression qui te l'imposent
pour essayer d'arrêter cette grève. 2011, je ne sais pas, on était en 15e, 16e jour de grève de la faim, on était 80 prisonniers dans une section. On était distribués 10 par cellule. Les gardiens, ils sont rentrés avec des grands ventilateurs. Ils ont installé les ventilateurs devant les fenêtres. Ils ont démarré les ventilateurs. 10 minutes après le démarrage des ventilateurs, ils ont fait rentrer des prisonniers des droits communs israéliens. Ils ont installé leur barbecue. Ils ont démarré leur barbecue juste pour faire rentrer l'odeur de l'oignon et de viande grillée dans nos cellules pour nous pousser à craquer. Alors ils ont des imaginations que peut pas imaginer. Un être humain normal ne peut pas le faire. Et après, tu peux être transféré d'une prison à une autre avec de la torture et tout ça. Il y a une façon qui a été utilisée une fois et après c'est devenu légal dans la loi israélienne. Fin des années 80, une grosse grève de la faim déclenchée avec beaucoup de solidarité avec. Une décision du gouvernement israélien qu'il faut arrêter la grève de la faim n'importe quel comment. Directement, un directeur de prison de Nafra, qui est ouverte aujourd'hui, il a pris en force 3 prisonniers en grève. Il les a menottés chacun sur un lit. La façon, c'était de faire entrer un tube qui va du nez jusqu'à le ventre et renverser du lait. Et comme ça, il déclare qu'il y a 3 qui ont raté la grève de la faim. Mais malheureusement, 2 de ces prisonniers, le tube n'est pas allé dans le ventre, il est allé dans les poumons. Ils ont renversé le lait et les 2 prisonniers, ils étaient morts sur place. Et après, en 2016-2017, ça c'est devenu une loi. Ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je connais en arabe, mais c'est de donner quelqu'un avec force à manger. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que là, il y en a 2 qui étaient tués, mais ça peut arriver à quel moment cette façon elle va être utilisée. Je veux presque arrêter ici. Moi, après cette petite 2 parties de présentation politique et prisonnier, moi je pense que aussi aujourd'hui il faut le dire que devant cette scène très spéciale en Palestine, malgré tout ce qui se passe en termes de pertes humaines qui sont dures, mais ce qui me rend un peu positif aujourd'hui, que il y a une décision du peuple palestinien qu'une deuxième Nakba n'aura pas lieu. Les gens, on les voit sortir en dessous des décombres, dans le nord de Gaza aujourd'hui, vers le Shifa et tout ça, en disant que nous, on ne veut pas partir. Les Israéliens, ils veulent qu'on parte, et nous, on ne veut pas partir. Des générations et des générations, des générations, des réfugiés n'auront pas un nouveau lieu chez les Palestiniens. Il y a une résistance sur place, forte et qui fait très mal aux Israéliens. Il y a ce triangle, moi je l'appelle le triangle, résistance, résilience et solidarité internationale. Le mouvement de solidarité internationale, il a fait un travail, pas que humain, mais hautement politique, qui a mis la Palestine en avant. Aujourd'hui, on voit des changements de position. Quand aujourd'hui, même si c'est pas définitif que le Canada il arrête son envoi d'armes à Israël, ça c'est pas un petit truc. Quand l'autre jour le porte-parole de Quai d'Orsay, ils disent que la France elle veut faire une enquête, elle va commencer à faire une enquête sur l'attitude de franco-israélien à Gaza, ça c'est pas rien. Quand il y a un tribunal aux Pays-Bas l'autre jour, il prend la décision d'interdire un envoi d'armes à Israël. Ça c'est pas des petits pas. Aujourd'hui, le ICJ, le Cour international de justice, il nous a ouvert des pistes qui étaient bloquées avant octobre. On pouvait pas accéder. On pouvait pas faire telle et telle et telle et telle et telle action ici en France et ailleurs. Alors je pense que le mouvement de solidarité, il a une responsabilité politique énorme, aujourd'hui et après le cessez-le-feu. Parce que
tout ce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer par la force militaire, ils vont essayer de le récupérer dans un jeu politique après le cessez-le-feu. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on passe, tout ce que j'ai passé, bien sûr, je ne suis pas le pire des cas, qu'aujourd'hui, on est devant une période politique où tout a changé. Pour nous, le discours politique qui pouvait servir avant octobre, il ne servira pas après octobre. On est rentré dans une période politique où notre lutte, ça sera la fin de l'occupation. C'est clair, pour nous, après tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir à des choses qui ne fonctionnent plus. La communauté internationale, elle veut rester, à ne pas voir la vérité, elle fait ce qu'elle veut. Pour nous, même le droit international, c'est les forces occidentales et les Israéliens qui ont mis la question sur le droit international et sur qui applique le droit international aujourd'hui quand il y a un cessez-le-feu qui est voté et que les Israéliens ne respectent pas et personne n'impose les choix sur une force occupante. Ça veut dire toute la question du droit international, elle est en danger parce que cette communauté internationale continue de traiter Israël comme un État au-dessus du droit international. Les choses sont très claires pour nous. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une période politique, une nouvelle période politique. Notre devoir ici en France et ailleurs, c'est d'élargir ce front de solidarité, le structurer, l'avoir maximum élargi. Vraiment, on peut faire des choses, on peut continuer cette lutte ici depuis la France. Moi, je pense que le peuple palestinien, il a pris la décision de continuer de mener ce combat et cette volonté de la libération de la Palestine avec vous, avec eux, avec l'ensemble des gens humains qui portent nos propres principes et qui partagent cette volonté de protéger l'humanité et la dignité de l'humanité. On va continuer ce chemin de résistance, même si on paye cher et dans nos chairs, on va continuer et on va faire comprendre aux forces occidentales et à l'occupant israélien que la Palestine historique n'a jamais été et la Palestine historique ne sera jamais dans le futur une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Merci. Je suis très, très émue de ce que vous avez dit, bien sûr, ce soir. Et je voulais vous demander, par rapport à la position des pays arabes, qui me répulse, comme beaucoup, je pense, les accords d'Abraham. Ben, je vais être vulgaire, quand on est cocu, eh ben on divorce. Que font les pays arabes avec l'État d'Israël? C'est une trahison. Je pense que les pays du Maghreb ne s'alignent pas derrière leur chef d'État. Je vois l'Algérie, bon, pas le Maroc, parce que pour d'autres... Mais je veux dire que beaucoup sont dans la rue. Et les pays du Golfe, c'est tellement puant leur or noir que c'est une trahison. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de la société israélienne? Comment elle réagit aujourd'hui par rapport à ce conflit et par rapport à ce massacre? Et est-ce que tu entrevois des perspectives venant de cette société israélienne pour l'issue de ce conflit et de ce massacre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je vais répondre à ces deux questions. La première par rapport aux pays arabes. Écoute, historiquement, quand tu vois ce qui s'est passé en Palestine et le positionnement des pays arabes, bon, il y a 30 ans, c'était mieux qu'aujourd'hui, malgré que ce n'était pas au mieux des choses. Parce que dès le début de 48, il y avait des gens qui ont donné la main aux Britanniques dans la région pour l'installation d'Israël. Hein. C'est pas caché. Hein. On regarde les archives aujourd'hui, on connaît qui par nom. Mais aujourd'hui, après 2011, c'est pour ça que j'ai cité très important le 2011 et le printemps arabe. Aujourd'hui, les régimes,
c'est des régimes qui sont installés pour servir aux intérêts américains. Premier intérêt américain, c'est la sécurité d'Israël. Ça, c'est clair et c'est pas caché. Aujourd'hui, quand 22 pays arabes, ils sont pas capables de faire entrer du riz à Gaza, et je parle pas d'armes. Je parle de livraison d'armes et des 22 pays arabes, ils sont pas capables de rentrer du riz à Gaza. Non, ils ont pris la décision. Quand tu vois aujourd'hui le blocus de Rafah. Et c'est pas que ils travaillent contre les Palestiniens, ils sont en train d'aider les Israéliens directement. Parce que, quand je parlais du blocus de la mer Rouge, et il n'y a plus de produits qui arrivent dans le port israélien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pays arabes? Les Émirats Unis et l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Maintenant, tous les bateaux qui devaient aller en Israël, ils font le tour, ils se garent en Émirats Unis, et ils les prennent dans des camions. Les camions, ils passent de l'Émirats Unis en Arabie Saoudite, de l'Arabie Saoudite en Jordanie, et en Jordanie vers Israël, pour sauver l'économie de l'occupant israélien après ce qui s'est passé avec la mer Rouge. C'est pas une question qu'ils sont... Non, ils travaillent jour et nuit, voir comment garder Israël une puissance avec la main haute dans la région. C'est pas pour moi, je le vois comme ça. Au Maroc, par exemple, quand il y a une décision d'ouvrir 3 entreprises d'armes israéliennes au Maroc, la décision est prise en juillet. Qu'est-ce qu'ils vont faire les 3 entreprises d'armes au Maroc? On se pose la question. Tout ce qui se passe dans le pays du Golfe, aujourd'hui dans les pays du Golfe, dans la majorité, tu n'as pas le droit de lever le drapeau palestinien. En Émirats Unis, en Arabie Saoudite, si tu lèves le drapeau palestinien, tu te fais arrêter. Interdiction de manifester pour la Palestine dans plusieurs pays arabes. Non, c'est des pays que leur positionnement est clair en faveur de l'occupant israélien. Deuxième question, c'était par rapport à la société israélienne. Bonne question. Regarde, peut-être que moi j'ai un point de vue un peu spécial, mais c'est la réalité, je pense. Moi je pense que la société israélienne, plus ou moins toutes et tous, sont au courant de ce qui se passe, et moi l'histoire de nous vendre aujourd'hui le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou comme si ce gouvernement d'extrême droite de Netanyahou est tombé du ciel. Non, c'est un gouvernement qui était élu par une société d'extrême droite. Vu les élections depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis en train d'analyser, je te dis à la fin, mon idée à moi, mais là, je suis en train d'analyser. 2008-2024. Netanyahou, une fois, il a perdu le pouvoir. En 2019. Une fois, et le mec qui l'a remplacé, il n'est pas mieux. Ça va faire, 18 ans au pouvoir. Et même avant, il y avait Sharon et Jacob. Aujourd'hui, tu as toute une société d'extrême droite. Quand tu imagines que une société, l'ensemble de la société, à part les Arabes et les religieux, l'ensemble de la société, à 18 ans, elle fait l'armée. À 18 ans, hommes, femmes, à l'armée. Ça veut dire que tous et toutes, ils ont participé directement ou indirectement à l'occupant. 400 000 réservistes que à Gaza. On ne parle pas du Nord. On ne parle pas de ce qui se passe au Liban. Non, c'est une société qui a grandi sur la haine. C'est une société qui a grandi sur comment on veut faire disparaître l'autre. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a des pros, je veux dire, il y a une petite minorité des gens qui reconnaissent les droits des Palestiniens. Il y a quelques ONG, j'ignore pas. Mais quand tu parles d'une scène, de l'ensemble d'une société, non, c'est une société d'extrême droite qui a amené Smotrich, Ben Gvir, Netanyahou et Saar et
toute cette équipe au pouvoir. Mais même si on veut revenir un petit peu avant, nous, les Palestiniens 48, on s'est fait massacrer par les sionistes de gauche, et pas la droite et ni l'extrême droite, c'était les socialistes de gauche qui montaient de l'Europe avec les idées des kibbutz et compagnie. Pour moi, en tant que Palestinien, sioniste de gauche, de droite, d'extrême droite, de centre, ça ne change rien du tout pour moi. Pour moi, le seul bénéfice de ces gouvernements qui montrent exactement le visage du sionisme. Exactement, là, il n'y a pas de magouille. Non, ça montre exactement c'est quoi le visage du sionisme. Quand Smotrich, le ministre de la Finance, il y a 5 mois, en juillet, non, on est 5 mois en génocide, là. Ça fait, en juillet, il était à Paris. Quand Smotrich est à Paris, il déclare que sa grand-mère, c'est la première palestinienne et qu'il y a pas, le peuple palestinien, il n'existe pas. Il a fait cette déclaration à Paris, elle est passée comme ça, personne n'a rien dit en France. Bon, ce n'était pas dans un forum officiel, mais c'était dit quand même sur le sol français. Alors moi, je pense que tu as toute une société qui est allée vers l'extrême droite. Ça le concerne interne. Aujourd'hui, vu les manifs, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais il y a des manifs à Tel Aviv. Il y a deux genres de manifs. Une manif qui veut sortir les otages, qui demande à cesser le feu et sortir les otages. Et tu as une deuxième manif qui demande la fin du gouvernement de Netanyahou. Il n'y a rien qui concerne les Palestiniens dedans. Il n'y a rien qui demande de rendre le droit aux Palestiniens. Pour eux, pour la majorité, on n'existe pas en tant que peuple. Et on n'a pas de droit à rendre. Ils n'ont pas des droits à nous rendre. Et à mon avis, après ce qui s'est passé aujourd'hui, la crise interne israélienne, elle va s'approfondir de plus en plus. Elle va s'approfondir parce que, par exemple, le chef, là, ils sont en crise économique et une crise intersociale. Parce que, pourquoi ? Intersocial, parce que tu as les religieux, Haridim, les religieux, tous les religieux, ils ne font pas l'armée. Aujourd'hui, il y a une crise économique à cause de la présence des réservistes. Tous les réservistes qui ont quitté tous leurs postes et leur business, ils sont venus faire l'armée, ils ont une crise. Et les gens, la classe moyenne israélienne, elle a commencé à gueuler que nous, on est en train de perdre économiquement. Il y a toute une tranche de 15% de la société, elle est en train de prier sans venir faire l'armée et bénéficie de l'économie d'Israël. Il y a toute une crise interne. Ils ont essayé de faire passer une loi que les religieux doivent faire l'armée. Le chef de ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit ? Au moment qu'ils vont décider ça, nous, on va quitter le pays. Nous, on va partir. On ne va pas rester dans un pays où on va servir l'armée. Ça ne veut pas dire qu'il est raciste et accompagné. C'est le fils du chef spirituel du chasse. C'est le fils de Avadia Youssef qui a comparé les Palestiniens à des serpents. Mais c'est toute une crise qui est déformée de l'intérieur. Et à mon avis, les Israéliens, dans pas longtemps, tu vas voir comment ça va se casser internement chez eux. Et là, ça a commencé. Je suis désolé, je parle beaucoup. Il y a la dame et le monsieur. Vas-y. J'entends rien. Je tiens à vous remercier d'abord de votre présence et de votre témoignage. Et on sera témoin également de l'effort que vous avez fait pour votre peuple. Maintenant, nous, on aimerait aider le peuple Gazaoui et le peuple palestinien en général. On est sollicité par de nombreuses ONG, associations, et on ne sait pas à qui faire confiance. Quel est votre point de vue ? Est-ce que l'aide arrive ? On nous dit non, pour l'instant, ne donnez pas d'argent. Beaucoup disent non, n'envoyez pas, de toute façon, il n'arrive pas, les camions sont bloqués. Alors on est frustré de ne pas pouvoir aider financièrement, parce qu'on en a la possibilité, ce peuple qui en a bien besoin. Bah,
l'organisation politique du Hamas. Souvent, il est considéré, bon, déjà, il est considéré comme un parti terroriste, hein, officiellement par le gouvernement français, on va dire. Et en fait, il y a eu des élections à une époque, il y a 8 ans, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure on peut considérer qu'effectivement il est représentatif, quoi qu'en pensent certains, de la population de Gaza, palestinienne à Gaza? Oui, je vais répondre tout de suite à ces deux questions. La question du don d'argent à Gaza. Moi, il faut bien vérifier. Après, on peut voir avec les amis de l'AFPS, avec Urgence Palestine et d'autres, mais il y a des dons qui sont clairs, surtout ce qui concerne un ou deux trucs pour les hôpitaux. Il y a l'hôpital Al-Aoudé dans le nord, que je sais bien qu'ils sont corrects, et ils ont un travail, et les dons, ils vont directement. Il y a l'association de docteurs, je ne sais pas, vous avez entendu, docteur Ghassan Abou Sété, qui était le chirurgien de Shifa, le premier 4 mois qui était obligé de quitter. Lui aussi, il a développé un truc pour les dons, pour soigner les enfants amputés. Mais il faut faire attention parce que on s'est trouvé devant des scènes où il y a des gens qui, pas forcément des Palestiniens, mais il y a des gens qui sont fait de faux comptes. Il faut vraiment vérifier. Deuxième chose par rapport au Hamas. Alors, on revient, je ne veux pas commencer du 7 octobre parce que pour moi l'histoire n'a pas commencé là. On revient 15 ans avant la mort d'Arafat, l'autorité palestinienne totalement détruite par les Israéliens avec le feu vert américain et européen. On est arrivé à une époque où les Américains voulaient se débarrasser de Sharon et d'Arafat au même moment. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour sortir de là, il fallait des élections chez les Palestiniens. Bon, première élection présidentielle 2005, Abou Mazen en tête, président. 6 mois après, il fallait faire les élections, ou un an après, il fallait faire les élections de l'Assemblée nationale, on va dire. Et les élections 2006, juin 2006, proprement observées par les Européens, par des Européens qui étaient présents, tout ça, le peuple palestinien a voté une majorité pour le Hamas. 2006, le Hamas est élu majorité, 2/3 sur 1/3. Bon, c'était quoi la riposte des forces occidentales? Directement, un embargo économique sur l'autorité palestinienne, un plan de affamer le peuple palestinien à cause de son choix, non-respect pour la démocratie, parce que cette démocratie, elle n'est pas allée sur la taille de système européen. Cette affamation du peuple palestinien, qui a trouvé aussi des collaborations internes des Palestiniens, j'ignore pas, qui a conduit directement à la division interpalestinienne entre le Fatah et le Hamas, la division entre Gaza et Cisjordanie, qui a, 2007, commencé un embargo total sur la bande de Gaza qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ces gens, en 2006, ils étaient élus. L'Europe, il aime leur discours, il n'aime pas leur discours, c'est pas mon problème. Moi, personnellement, je fais pas partie, mais quand il y a une démocratie, tu dois respecter les règles. Il y a une majorité, tu laisses la majorité essayer son rôle politique, c'est aux gens de les arracher ou les laisser au pouvoir. C'est pas aux forces occidentales de savoir qu'est-ce qui est mieux au peuple palestinien au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils savent de notre réalité? Rien. Ils savent rien de notre réalité, rien. Et ça m'étonne pas qu'on a un président perdu dans la stratégie politique qui concerne le Proche-Orient. Un mec comme le président français qui commence par
un front international à Gaza, 5 mois après, il vote un cessez-le-feu. Ça, c'est quelqu'un avec une stratégie politique. Ça, c'est quelqu'un avec, qui est perdu dans une stratégie politique. Alors, le Hamas, et même avant de parler de la question du Hamas, historiquement, donnez-moi un parti politique palestinien qui n'était pas déclaré terroriste. Que ce soit de gauche, de droite, de centre-gauche, d'extrême droite, laïque, tous les partis politiques palestiniens, historiquement, ils étaient considérés comme terroristes. Tout Palestinien dit non au Israël, il est considéré terroriste. Et ça, c'est des jeux historiques. De Gaulle et la compagnie, ils étaient des terroristes. Les Vietnamiens, ils étaient des terroristes. Les Sud-Africains, ils étaient des terroristes. Les Algériens, ils étaient des terroristes. Moi, franchement, les Palestiniens, l'autre jour, pour blaguer, j'étais en train de lire les infos et je vois la Suisse a déclaré le Hamas comme organisation terroriste. Je me suis demandé, franchement, là, ça a eu, les dirigeants du Hamas, ils sont perturbés parce qu'ils ne peuvent plus aller faire leur ski, leurs vacances de ski en Suisse. Qui a déjà mis les pieds du Hamas en Suisse? C'est une décision. Et en plus, c'est quoi le terrorisme? Qui peut aujourd'hui définir c'est quoi le terrorisme? Un mot qui est sorti après 2011, après 2001, après les attaques de New York, et jusqu'à aujourd'hui, dans le droit international, il n'y a pas une définition du mot terrorisme. C'était un mot qui était utilisé pour refaire un nouveau monde après 2001. Mais dans le droit international, moi je suis avocat, le mot terrorisme, il n'y a pas une définition. C'est les Américains qui les ont inventés, et le petit bébé israélien l'utilise, et ça avance comme ça. Au nom du terrorisme, on a occupé l'Irak. Au nom du terrorisme, on a changé le Proche-Orient. Au nom du terrorisme, on a assassiné des présidents dans l'Amérique latine. Au nom du terrorisme, on a assassiné des chefs révolutionnaires en Asie. Il n'y a pas de qualification de ce mot terrorisme. Je suis désolé. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être présent ce soir. Et on reste engagé et on continue. Merci à vous.